Hey, salut tout le monde, c'est Sonic, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas pour ma part, je vais super bien. Et donc aujourd'hui, voilà, une nouvelle vidéo, voilà, oui, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais Corentin, t'avais dit une vidéo par semaine, tout ça. T'inquiète, t'inquiète, faut savoir se faire désirer un peu, tu vois. C'est un peu comme les meufs, elles répondent pas tout de suite au texto, elles savent que sinon après, elles sont trop... Enfin voilà, je vous expliquerai ça. Donc bah voilà, donc en ce moment c'est les vacances, voilà, et ça... Ça fait plutôt plaisir, parce que tout le monde en a à peu près besoin, voilà... Enfin, c'est vrai que c'est la fatigue qui s'installe, puis merde quoi, il y a les fêtes de Noël, on a envie de profiter de tout ça. Puis bah voilà, en tout cas, j'espère que tout ça, ça va bien se passer pour vous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur donc, du Call of Duty Modern Warfare. Je vais présenter brièvement le gameplay, donc c'est du match en cage 1v1, voilà. Je ne citerai pas le nom de la personne, elle est en haut à gauche, j'ai la flemme. Et donc, je suis avec mon sniper M40 A3, qui est un très bon sniper. Moi, je pense que c'est le meilleur de Code 4 avec le Barrett. Enfin, moi, pour ma part, je pense. Et donc vous allez voir que dans le gameplay par contre je vais essayer plein de fois de choper son arme assez OG parce qu'avec cette visée là je peux vous jurer que moi j'y arrive pas du tout. Voilà, on peut voir même que là je suis en train de galérer et j'ai de la chance que le mec est mauvais. J'ai de la chance que le mec soit mauvais en face parce que je peux vous jurer que voilà, je loupe des balles mais oh ça me donne envie de prendre la manette et de jouer à sa place. Et oui mais c'est toi poto qui joue. Enfin bref. Voilà, j'avais envie de parler de plein de bonnes choses, tout ça, mais surtout des points positifs et négatifs que je pense. Enfin, j'ai décortiqué un peu ça à la va-vite, hein. Mais en gros, moi je pense que les points positifs de jeu, c'est qu'au moins il y a du 1v1, bon bah c'est sympa, tout ça, et souvent les gens jouent au sniper donc, dans ce mode de jeu. Donc ça c'est plutôt côté positif, ça nous rappelle un peu MW3 tout ça, et moi c'est ce que j'aimais dans MW3. Et là, voilà, chronoscope chanceux, là, voilà, nickel. Ça passe crème. Mais moi c'est ce que j'aimais dans MW3, c'était les 1v1, les 2v2, les 3v3. Et pour le moment, du coup, on n'a que des 1v1. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont remettre donc les 2v2 et les 3v3. Alors ça, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, d'incroyable. N'allons pas trop... bon, tranquille. Mais ce serait vraiment quelque chose que j'apprécierais de la part des gens qui font le jeu. Vraiment, c'est un mode de jeu que beaucoup de personnes appréciaient sur MW3. Et je pense vraiment que si ça retournait sur MWR, ce serait vraiment parfait. Donc là, par contre, on a vu que j'ai fait un peu ma pute. Hein. J'avoue que je me suis tapé un hitmarker. Ça commençait à faire. Vous voyez, là, la moutarde est montée au nez, tout ça. Je commençais à en avoir un peu ras le cul. Je t'avoue que j'ai sorti mon arme. Et vous allez voir qu'après, il va se venger. Mais c'est de bonne guerre. Donc, du coup, voilà. Là, il essaie de prendre son petit flingue pour essayer de m'avoir. Et vous allez voir que finalement, eh ben, c'est lui qui va avoir ma peau. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Le mec, il s'est quand même vengé. Je peux pas trop lui en vouloir. C'est vrai, j'ai fait ma pute. Corentin, sois pas mauvais perdant, il t'a tué, voilà, c'est bon. Enfin bref, donc bah voilà, hein. C'était un peu tout ça que je devais dire, mais en gros les points négatifs, c'est que vraiment des fois ils nous mettent des maps qui sont vraiment horribles. Je prends l'exemple de Crash, ça campe en haut, ça campe à droite, ça campe partout, c'est vraiment horrible. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc voilà, les points positifs, c'est plutôt le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui jouent en 1v1 au snipe, et les points positifs, plutôt le fait qu'il y ait des gens qui jouent sur les maps grandes. Donc voilà. Donc voilà les gars, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher pouce bleu, pouce bleu, voilà tout ça. Et puis bah voilà, en tout cas portez-vous bien, c'était Sonic, c'est ciao les gars.